Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne QC Bro Gamer. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour un Keyforge, un pack opening, parce que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas reçu de stock à la boutique Tabletop. Fait que là, aujourd'hui, on a reçu, fait que j'ai pogné deux petits decks pour la vidéo. Fait que sans plus attendre, on va tout de suite aller ouvrir ça. Et voilà, premier deck. This Logos Sanctum Ember Mutant Spawn of Upton. Je sais pas ce que c'est ce mot-là. Mais ok. En espérant pogner des Horsemen, je sais, c'est pas les meilleures affaires, mais j'ai déjà un deck de Horsemen, ça serait bien d'avoir. Ben, l'autre qui est correct, mais il est pas écœurant. Fait que je pense avoir un deck potentiellement bon de Horsemen. This creature gained, you may use this creature as if it belonged to the active house. Oh, nice. Ça c'est nice à avoir. De ça. Protectress. C'est vraiment lire en détail. Oh, bah, pas de horseman. C'est vraiment lire en détail les effets de cartes. Faites juste pause. Juste 4. C'est souvent ça. Quand je pense qu'il existe ce deck de X-Sanctum, il y a 4 créatures Sanctum. Plus que l'artefact qui fait que. En tout cas. On va voir. Ensuite, each friendly creature, ça c'est pas maudit. Tu connais un Ember en plus, tu as stun each. Nice, nice. Oh, 3 fois. Ok, ok. On n'a pas les créatures, c'est pas décevant. Donc, to all house, stun and exhaust. C'est ça, gars. This creature belong to all house. Play, stun and exhaust this creature. Puis c'est là, this creature gain. You may use this creature as it belongs to the active house. C'est encore meilleur, c'est là, parce que t'exhaustes pas. En tout cas, c'est bizarre. Puis tu stuns pas, puis t'exhaustes pas. 2 fois lui. Not bad. Pour vrai, c'est pas écœurant. Bedemon. Thus am Shred. Oh. Each time a creature is destroyed, its owner gain 1. C'est un artefact qui fait comme ça. Ça avantage l'autre aussi, tu sais. Surtout que j'ai pas de gateway to this. Tu sais, ça aurait eu un gateway to this si tu mets ça. Mettons, il y a 50 créatures sur le jeu. Pauvre. Il y a ça, mais il y a pas grand chose d'autre. Ok, ok. Ça. Je sais pas. C'est. Ces trois affaires-là ont l'air cool parce que c'est comme. Ah, je t'en. Je t'house 10, mettons. Ben, mettons, t'as rien à jeu de 10. Les fuckers. T'es comme. Pauvre, ils stun tout. Slack! Si il destonne le tour d'après, part sur stun tout! Fait que là, c'est. Puis, part sur stun tout une troisième fois. Oh yes! Logos this Untamed. J'adore Untamed. Dumber de Steelix. Steelitch. Je sais pas c'est quoi ça veut dire. Ça se peut, vous entendez des bruits d'un chauffe-fou à ces heures-là. Je vois au moment où je tourne ça, il est minuit et demi. Dans le capoté, là. Ah, y'a pas. Ah oui, là. Ah, yes. 2 fois. Ah, ça aurait été bien, mais ok. 1 fois chaque, ça c'est quand même bien. Doofy. Ah. Des savants créatures, hein. Pas le meilleur. Ah, oh, ça c'est bon. Ça aussi. Full Moon. Fogman, ça aussi. Fogbank Mother. Oh, 3 fois lui, c'est bien. Ok. After you forge a key, destroy each creature and artifact. Wormhole. Oh, yes! Je n'avais pas de deck avec lui, j'en voulais un. J'espère qu'il va être popé. Je sais que c'est risqué comme carte. C'est you must lose 3 Ember in order to play Chubaru. Faut que tu perdes 3 pour pouvoir jouer lui. Il y a Taunt. Puis quand il détruit, il gain 5 puis il y a 7 de power. Fait que tu t'arranges pour qu'il crève, dans le fond, le plus vite possible, en protégeant quand même tes autres. Puis ben, tu vas gagner 2 dans le fond. Là. En gros. Bonne quantité de cassures. Puis j'ai fini. A friendly human creature from play. If you do play a creature from your discard pile. Ça peut être. Oh, gateway to this. Choose a number, destroy each creature with power equal to that number. Ça c'est nice.
Les humans, j'en ai-tu? Un, deux, trois. Ok, j'en ai trois. Quatre, cinq, six. Ok, j'ai six humains quand même. Ça peut être un peu servir, tu sais, à ramener quelque chose de plus essentiel au moment, mais tu sais, quand même une petite purge. Ok, bon, ben, je pense que je suis. Il y a des deux, on DC et Logos. Je suis plus hype pour ce deck-là. Avec quand même un bon Logos. Quand même avoir un bon Logos, puis mon premier True Brew. Puis qu'il y a quand même pas mal de créatures dans le 10. Qui fait que ça rattrape en. Une, deux, trois, quatre. Fait qu'il y a 8 créatures dans le 10. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18 créatures. Ok, c'est un bon nombre. Je trouve que c'est un popping number. C'est la moitié créature, moitié action. Ouais. J'aime mieux tout le temps avoir au moins 20 créatures. Personnellement, selon mon style de jeu à moi. Fait que je vous dis de vous abonner, partager, n'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos. Dans les opening de game, je fais un bout, mais là je vais recommencer parce que j'ai reçu des decks. Puis tout. Ben là, allez voir ma vidéo, dans la vidéo de show. J'étais à 700 que de vues, je suis content. C'est un show de Fitfucking Crystal Lake. Argus Burnren, que j'ai pas filmé par contre, fait qu'il ne l'a pas dans la vidéo. Puis, quel est l'autre? J'ai complètement oublié. Miss PR. Puis là, ce samedi, le 10, je vais voir un autre show, Kingdom of Giant, que c'est eux que je veux vraiment voir le plus, parce que les trois autres, je les ai vus. Fait il y a Born of Zeus, Make Them Suffer, et Chelsea Grind, que j'ai déjà vu. Des excellents groupes, mais je les ai déjà vus. Fait que je vais au show là, juste pour Kingdom of Giant. Fait que, ciao, à la prochaine, abonnez-vous, partagez, likez, peace!